Sommet Union européenne-Union africaine, boudé, Brahim Ghali organise des pourparlers avec le président sud-africain. Après avoir été recadré par l'Union européenne suite aux tentatives de surfer sur la participation de Brahim Ghali au sommet Union européenne-Union africaine, le Front Polisario vient d'essuyer un nouveau revers. En effet, après le rappel de l'Union européenne, mercredi, que sa position n'a pas changé sur le dossier du Sahara et qu'aucun de ses États membres ne reconnaît la République arabe sahraoui démocratique, le chef du mouvement séparatiste, arrivé mercredi à Bruxelles, a été boudé par les chefs d'État présents au conclave. Pour pallier ce camouflet politique, le Polisario a organisé, ce vendredi, en marge de la deuxième journée du sixième sommet Union européenne-Union africaine, des entretiens bilatéraux à l'image des autres membres des deux organisations continentales, rapporte le média pro-Polisario ex-Sahraoui. Seulement, bien que le média évoque des entretiens entre Brahim Ghali et certains de ses homologues, le secrétaire général du Front n'a tenu qu'un entretien avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, reconnaît plus loin le même média. Ces deux derniers jours, le Front a multiplié les déclarations pour présenter sa participation au sommet Union européenne-Union africaine comme une victoire, avant que l'Union européenne, interrogée sur la question, n'assure mercredi que les invitations adressées aux pays africains sont du ressort de l'Union africaine.